Hello, hello! Salut! Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans un autre angle que d'habitude, encore une fois, pour être face à la fenêtre. Parce que, à nouveau, il est. Quelle heure il est? 3h30. Et on est toute lumière allumée et toute fenêtre ouverte. Et il fait pas très très lumineux, hein, contrairement à ce que vous pouvez voir dans l'appareil photo. Et en plus de ça, je disais à Sam, je sais pas comment je me suis débrouillée cette nuit, je me suis réveillée avec un méga torticolis et là je suis à fond. Ça fait mal. Tu crois que la petite poche de glace, ça fait du bien sur un torticolis? Ça peut te soulager un peu. T'as eu du flair, hein. C'est pas plutôt du chaud qu'il faut mettre là-dessus? Alterner les deux, peut-être ça serait. Tu crois? Mmh. On avait à une époque le tour de cou qu'on mettait au micro-ondes là avec des graines dedans. Il s'est abîmé, troué, donc on a dû s'en séparer. Il faudrait qu'on en retrouve un. Parce que ça me faisait du bien quand j'avais les torticolis. Il faudrait qu'on y pense. Et ça, c'est le genre de choses qu'on trouve pendant les marchés de Noël. Ouais. Parce que c'est la période. Et du coup, en général, il y a plein de petits artisans qui vendent ce genre de choses. Il faudra qu'on y pense. Parce que tu vois, là, c'est aujourd'hui que j'y pense et que ça me manque. Enfin, j'ai pas de torticolis en été, j'en ai que en hiver. C'est bizarre. Tu crois que j'ai pris froid? Ah, j'ai peut-être pris froid en dormant, en fait. C'est peut-être ça. Du coup, sur ces histoires de torticolis, on vous a filmé une vidéo avec Sam. Ouais. Au moment où vous verrez ce vlog, normalement la vidéo est déjà en ligne puisque c'était la réponse à la foire aux questions que j'avais lancée dans l'onglet communauté sur YouTube. Parce que d'habitude, je vous les mettais plutôt sur Instagram, les foires aux questions, mais du coup, les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram ne pouvaient pas me poser de questions. Donc là, j'ai profité de cet onglet communauté que je trouve super pratique pour poser la question à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. C'est vrai que c'est pas mal par rapport à ça. Ouais. Cet onglet communauté, il est plutôt sympa. D'ailleurs, est-ce que vous voyez bien passer les petits messages qu'on vous met dans cet onglet, dans votre fil d'abonnement? Parce que nous, on a remarqué qu'on en voit certains, mais on ne les voit pas tous. Moi, la dernière fois, toi, tu as mis un message dans l'onglet communauté. Et tu ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Alors que ça, il voit les miens. Donc, je n'ai pas compris cette histoire. Ah, tu t'as vu, quand tu passes loin comme ça, le truc des escaliers se déclenche. Parce qu'on m'a déjà demandé pourquoi les lumières des escaliers, elles s'allument toutes seules. En fait, elles ne s'allument pas toutes seules, il faut qu'on passe dans le... Il y a un détecteur. Devant le détecteur, là, le détecteur, il détecte en diagonale, donc il détecte même quand on n'est pas dans les escaliers. Et pourtant, c'est réglé au minimum. Hein. Minimum de la sensibilité. Donc, on vous a fait cette vidéo, elle est un petit peu longue, j'en suis désolée, mais ça prend du temps de répondre correctement aux questions, voilà. Et là, j'ai encore 2-3 bricoles à faire avant d'aller chercher les enfants à l'école, et je voudrais qu'on passe chercher les AirPods. Parce que je vous l'ai dit dans la foire aux questions, je suis passée du côté obscur, j'ai rejoint la team iPhone. Mais alors vraiment parce que c'est pratique pour travailler, hein, parce que je persiste, l'appareil photo du Samsung je préfère. Troisième fois qu'elle le dit. Mais c'est vrai que Apple, ils sont quand même hyper doués pour certains trucs. Ils sont aussi hyper doués pour les tarifs. Ça, je sais, c'est très cher et ça, je reviens pas dessus. C'est vrai que on paye la marque, clairement. Mais il y a quand même cette histoire de technologie assez avancée qui fait que c'est toujours assez séduisant au niveau des produits. Et Sam, il a testé ses AirPods là maintenant parce que du coup, c'est lui qui a commencé par s'en acheter pour lui. Moi, je me suis dit, bon, ben, je vais lui laisser tester, on va voir ce que ça donne. Et c'est hyper pratique, ces trucs. En fait, à chaque fois que je lui ai parlé dans le train, parce qu'il les avait la dernière fois qu'on a pris le train ensemble, à chaque fois qu'il enlevait pour m'écouter, ce qu'il regardait se mettait sur pause. Rien que ça déjà, c'est génial, parce que je ne vous cache pas que je lui parle toutes les 5 minutes, donc en général c'est, faut mettre pause, faut enlever, c'est un petit peu relou, j'avoue, je suis un petit peu la relou de service dans le train, j'ai toujours un truc à lui dire quand il écoute, il regarde sa série, et là pour le coup, ben, c'était beaucoup plus pratique pour lui, donc j'ai été un peu moins relou, on va dire, dans l'absolu, hein. C'est vrai. Oh, t'es en train de dire que oui, je suis relou, t'aurais pu dire mais non, t'es pas relou, machin. Ah, d'accord, ok, je retiens. Mais donc, ben de voir que c'était aussi pratique, j'ai envie d'avoir ma paire de AirPods à moi aussi. Et du coup, ben, vu qu'on a un petit peu de temps là, entre ce qui me reste à faire et l'heure pour aller chercher les enfants, je me suis dit qu'on pourrait profiter d'aller les chercher. Donc on va faire ça et ben, on vous retrouve un petit peu plus tard. De retour à la maison. Oui. Avec les AirPods. Pour moi, trop cool. Comme ça je te piquerai plus les tiens, au passage. Non mais c'est vraiment hyper cool ces petits trucs. Hein. Si vous avez un iPhone et que vous avez testé les AirPods, dites tout ce que vous en pensez, parce que moi, d'avoir testé ceux de Sam, je suis convaincue. Et avoue qu'au départ, j'étais un peu sceptique sur le produit. Bah, j'avais peur que ce soit un peu gadget en fait. Ouais. C'est super bien pensé et en plus ils sont vendus chargés. Ça c'est super bien aussi. Ça évite d'avoir à patienter que ce soit chargé pour pouvoir les tester. Ouais. Du coup,
on est tombé sur autre chose en se baladant, mais on est tombé sur quelque chose dont tu me parlais depuis longtemps, c'est-à-dire... Ouais, j'en parlais depuis avant l'été, bien c'est avant l'été. Ça. Donc si tonton Steph passe par là, je ne le remercie pas. Pourquoi ? Parce que... C'est la balance des sportifs. C'est la balance connectée qui indique beaucoup trop d'informations. Ouais. Enfin, qui donne beaucoup trop d'informations quand on n'a pas forcément envie de savoir notre... masse graisseuse, ouais. Notre masse musculaire. Bon, à la limite, la masse musculaire, c'est pas mal, sauf quand on sait qu'on n'est pas hyper musclé. L'eau aussi, je crois, ouais. Et je sais plus quoi. Et le poids, accessoirement, parce qu'à la base, une balance, ça sert à regarder son poids. Oui, mais là, on a plus d'indicateurs. Voilà. Alors, moi, perso, c'est le genre de truc qui me fait peur. Genre... objet de torture, truc sur lequel j'ai trop peur de monter. À la fois, j'ai un peu la curiosité, tu vois, de monter, de me dire autant je pourrais avoir une bonne surprise, mais j'y crois tellement pas, fort des M&M's que j'aime grignoter de temps en temps, que je voudrais juste expliquer que Sam, il en avait besoin de cette balance parce qu'il fait du sport. Et que j'ai besoin voilà. De voir l'évolution. Et que par contre, voilà, en termes d'évolution, je trouve que ça permet vraiment de pouvoir se situer, c'est voir ça. Si c'est efficace, si on va bien piocher exactement. Dans le gras et non dans le muscle. Parce oui. Que parfois, quand on fait trop attention à son alimentation, ou du moins pas de la bonne façon, ou qu'on fait trop de sport et qu'on mange pas comme il faut à côté, on peut avoir une fonte musculaire. C'est exactement ça. Donc, c'est là où la masse musculaire peut être importante aussi, pas seulement le gras. Maintenant, je vous avoue que moi, là, dans ma position actuelle, en n'étant pas ultra actif ces derniers temps, je sais pas si je vais monter dessus. Parce qu'en fait, notre TEFAL, elle nous dit si on a... Vous savez, elle a... un rond avec les ouais. Trucs en haut et en bas et elle nous dit plus gras, moins gras ou plus de muscle, moins de muscle. Ouais. Ou stable. Parfois, tu sais, elle clignote rouge. Et ça, c'est génial quand elle dit stable alors que les chiffres, ils bougent un peu, c'est super. Parce que clairement, moi, la balance, je monte genre une ou deux fois par semaine dessus, juste pour vérifier que j'ai pas trop abusé. Et si je vois que j'ai un peu abusé, ben, j'essaie de faire un peu attention. Donc, si je monte sur celle-ci, et que je me fais peur, peut-être je vous en parlerai. Et moi, ce que je voudrais, c'est que toi, tu nous dises au fur et à mesure des utilisations, ouais, si ça t'aide. Ouais. Voilà. Si ça t'aide vraiment d'avoir une indication sur, bah, sur ces taux-là, de façon à peut-être modifier un peu les exercices ou manger un peu différemment si tu vois que ça fait fondre le muscle. Donc voilà pour la méga super trouvaille du jour. Ouais, je dis ça, c'est un petit peu ironique, mais cool. Je trouve que c'est positif quand on a vraiment un but précis, ce qui est c'est ton ça. Cas. Je suis pas sûre qu'on va être copines elle et moi, mais je vais garder l'ancienne balance pour moi, je vais te laisser celle-ci. Voilà. Donc sur ce, ça va pas tarder à être l'heure d'aller rechercher Jen oui. Au sport déjà. C'est ça. Donc bon, on vous retrouve avec elle pour lui demander comment ça s'est passé. Un petit peu plus tard. C'est ça. Recoucou la puce. Recoucou. Comment ça s'est passé le lock ? Bien. C'était chouette ? T'as pu tester tes nouvelles genouillères ? Oui. Efficace ? Oh oui. Oui. Pratique, pas trop embêtante pour faire les pas classiques, on va dire. Non, ça va. Non ? Et du coup, pour ce qui se passe au sol, super. Eh bah, tant mieux alors. Et avant de terminer le vlog, je voulais que tu découvres ce qui se trouve dans cette enveloppe que tu as aperçue en rentrant et je t'ai dit oh, attends, c'est à mon avis quelque chose qui va te plaire. Je confirme. Ah, papa, il est d'accord. Vas-y, ouf. Bon, nous, on avait déjà jeté un petit coup d'œil, hein, c'est pour ça qu'on sait. C'est quoi? C'est le jeu Pokémon. Le nouveau Pokémon. Avec des Pokéballs. Oh, trop quoi, bien. C'est vrai qu'on s'était dit qu'il devait être trop cool ce jeu avec la nouvelle fonction là, de pouvoir jouer avec les Pokéballs. Donc, hâte de le tester. Oui. Quand est-ce qu'on va le tester? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Dès qu'on le teste, on vous montre, pardon. On a craqué, on a voulu tester tout de suite pour voir à quoi ça ressemblait. Et Evoli, il est trop mignon. Oui. À quoi tu ressembles? Je l'adore. Il est trop chou. Ah, un rival, ça veut dire quoi un rival déjà? C'est celui, un adversaire. Voilà, celui contre qui tu vas jouer. Josh. Tu mets Josh en rival? Désolée, Josh. T'as vu, il a surgi de nulle part, c'est trop chou. Jenna. Oh, il a l'air de là. Oh,
musique est super jolie. Ouais. Hop là. Ça a l'air trop bien. Ah, j'ai l'impression de me réveiller. On voit la Nintendo si tu dors en plus dedans. Ouais. Regarde. C'est trop bien fait. C'est vraiment bien fait. Josh. Yo, c'est moi. Oh, il parle comme Josh. On dirait moi, Josh. Moi, t'es debout, Gina, je monte. Salut. T'as trouvé le professeur? Trop mignon, j'adore. Les cris de Jen quand elle voit Evoli, tu sais. Je crois que ça va devenir ton Pokémon. Oh là là. Bah, elle a déjà une peluche Evoli. Elle adore. On va attraper Jen. Allez, Pokéball. Bravo, Jen. T'as attrapé Evoli. 1, 2, 3, yes. Je l'ai. Oui. Elle fait des bruits. La Pokéball fait des bruits, j'ai entendu. Ah, en fait, ça fait comme s'il était vraiment dans la Pokéball. Il y a Evoli dans la Pokéball, on entend le bruit. Tu veux pas nous lâcher dans la maison un peu? D'accord. Mince, elle est cassée. Non, mais vraiment, est-ce qu'on entend encore? Non, il y en a plus. Mais genre avant, il y avait... Oh, oh. On entendait les petits... Je suis à côté de la Pokéball version réelle pour voir si on entend du bruit. Oh, il est sorti de la Pokéball. Oh, je l'attends. En fait, vous voyez la tête qu'elle a fait la jeune fille dans le jeu? C'est Jen, moi. C'est ça en puissance 10. Et donc, vous aurez remarqué que la puce joue avec la Pokéball et non pas avec le Joy-Con. Voilà, voilà. Il est vraiment bien fait, le jeu. Il est choupinou. J'adore. T'as attrapé un Rookool? Oui. On l'a entendu dans la Pokéball. Ouais, Rookool. Pokédex. Super. J'ai besoin de faire tourner. Tu peux l'inspecter sous toutes les coutures. Oui. Wow. Je continue ma route avec mon petit Evoli. T'es suivi par Evoli, c'est trop chou. Ah, regarde. Oh, je me souviens tellement plus de son prénom. Un Chétiflore. Yes, excellent. Du coup, comme je le disais, on arrive à la fin de ce vlog. On espère qu'il vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, vous, le jeu. Parce qu'il est sorti quand, en fait? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, hein, il est tout nouveau. Ouais, mais peut-être que vous l'avez déjà testé, si vous êtes fan des Pokémon, etc. C'est sur... C'est sur Switch. Voilà, je voulais que tu précises. Et donc, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut.